apprenons. Je suis M. Aristide Lebongui, professeur de philosophie. Merci d'être très nombreux à nous suivre depuis votre petit écran. Et avec vous, nous allons continuer notre voyage de pensée. Aujourd'hui, ensemble, nous allons parler de la logique et de la connaissance, qui n'est autre que le troisième thème du programme de philosophie en classe de terminal, toute série confondue. Alors, la science d'aujourd'hui va s'articuler autour de deux points essentiels. Premièrement, nous parlerons de la définition de la logique dialectique. Et enfin, nous allons expliquer la dialectique de la pensée chez George Wilhelm Friedrich Hegel. Alors, bien avant, j'aimerais d'abord, chers apprenants, vous faire part de cette anecdote. Dans l'Antiquité grecque, il y avait un monsieur, un grand sophiste, au nom de Protagoras. Il apprenait à ses disciples l'art de la parole, autrement dit la rhétorique, qui n'est autre que l'art de bien parler pour persuader son interlocuteur. Alors, un jour il reçoit l'un de ses élèves, Euatos, qui voulait bien apprendre ce tard. Voilà que l'élève n'avait rien à donner à son maître. Et le maître lui dit, alors tu me paieras quand tu auras gagné ton premier procès. Protagoras va apprendre la rhétorique à Euatos. Quelques années après, Euatos ne voulait plus payer la dette de son maître Protagoras et c'est le maître qui va l'assigner en justice. Quel est le motif? Euatos doit payer sa dette. Hélas, or depuis lors, le disciple n'avait jamais défendu un procès. Et son premier procès, c'est contre son maître, Protagoras. Voilà que le jour du procès, le disciple s'est montré plus rétorque que le maître. Pourquoi Parce que la clause disait que le disciple devrait payer l'argent, la dette de son maître, quand il aura gagné le premier procès. Mais depuis lors, il n'avait jamais gagné de procès, et son premier procès avec le maître. Le maître dit :« Protagoras, Protagoras, le maître dit oui, attends tu dois payer ma dette. attend se dit Oui, je suis redevable d'une somme à M. Protagoras. Malheureusement, la clause disait que je devrais payer sa dette quand j'aurais gagné le premier procès. Or, mon premier procès avec lui-même, Protagoras. Comme je suis redevable d'une somme à Monsieur Protagoras, cela signifie que le maître a bel et bien raison de m'assigner en justice. Alors, du coup, le maître gagne le procès et le disciple dit, oui, je devrais vous payer quand j'aurai gagné le premier procès. Puisque vous avez gagné le premier, puisque vous avez gagné ce procès et j'ai perdu mon premier procès, voilà que je n'ai rien à vous donner. Alors, c'est pour dire quoi, chers apprenants? que la parole est une arme puissante. Mais devant un problème, il faut toujours avoir une certaine manière de parler. Et pour avoir la manière de parler, il faut apprendre les techniques du discours. Et c'est ce qu'a fait Euatos. Bien, chers apprenants, quand nous parlons de la logique, vous allez vous convenir avec moi que nous sommes dans la philosophie du langage. Et ce qui est au cœur de la logique, c'est le langage, c'est le raisonnement. Donc, pendant vos discussions, pendant vos causeries, vous devriez éviter de dire du n'importe quoi devant n'importe qui, n'importe comment et n'importe où, pour ne pas dire n'importe quand. Bien, chers apprenants, revenons sur la leçon de ce jour. Je vous ai dit en amont que la séance d'aujourd'hui aura deux volets. Le premier volet concerne la définition de la logique dialectique. Et le deuxième volet, la dialectique de la pensée chez Hegel. Alors, nous allons commencer avec le premier volet. Qui n'est autre que la définition de la logique dialectique. À la fin de cette séquence portant sur la définition de la logique dialectique, tout apprenant de la classe de terminal doit être capable de définir. La logique dialectique au travers de l'exposé du professeur. Alors, je réponds. Suivez-moi attentivement. À la fin de cette séquence, portant sur la définition de la logique dialectique. Vous, apprenant de la classe de terminale, devriez être capable de définir la logique dialectique au travers de l'exposé du professeur. Bien, mais avant de définir la logique dialectique, nous allons faire une petite rétrospective pour examiner ce que vous avez étudié précédemment, plus précisément, la logique formelle chez Aristote. Alors, parlons de la logique formelle. Vous avez étudié deux aspects à ce niveau. D'abord, la définition. Définition. Enfin, les principes de la logique formelle. Bien. À propos de la définition de la logique formelle, voici ce que vous avez retenu. La logique formelle, c'est la science de l'accord de la pensée avec elle-même. L'accord de la pensée avec elle-même. C'est pour autant dire que ce qui intéresse le logicien ici, ce n'est pas la réalité, la chose dont on parle. C'est plutôt la forme autrement dit, la cohérence et la rigueur du raisonnement. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de l'objet pour dire que le discours est vrai. Exemple. Tout africain est noir. Or, oh, les Algériens sont des Africains, donc des Algériens sont noirs. Alors, du point de vue de la forme, du point de vue rigueur, le raisonnement est correct. Bien. Qu'en est-il des principes de la logique formelle? Alors, ils sont au nombre de trois. Trois principes. À savoir, L'identité. L'identité. Ce principe stipule que tout être est identique à lui-même. Aucun être ne peut changer à son contraire. Et sa formule symbolique est A égale à A. Après l'identité, nous avons la non-contradiction. Que dit ce principe de deux propositions contradictoires Si l'une est vraie, l'autre doit être nécessairement fausse et réciproquement. Sa formule symbolique est A différent de non A. Enfin, le principe du tiers exclu. Alors, ce principe n'est autre que la conséquence du deuxième principe, la non-contradiction. Alors, que dit le principe du tiers exclu De deux propositions contradictoires. Si l'une est vraie, l'autre doit être nécessairement force. Et inversement, sans pourtant qu'il y ait une troisième possibilité. Donc la troisième possibilité, la troisième solution est écartée, est exclue. Donc d'où le nom de ce principe. Et sa formule symbolique est A ou non A. C'est pour autant dire que dans la recherche de la vérité, nous n'avons que deux valeurs. Le vrai. Et le faux. Alors, si le discours ne dit pas la vérité, ça veut dire, il traduit la fausseté. Un discours ne peut pas être à la fois vrai et faux. Sinon, il y aura quoi? Il y aura la contradiction. Voilà pourquoi l'initiateur de ces principes, Aristote, nous fait savoir dans son ouvrage intitulé La métaphysique, alors il nous fait savoir dans cet ouvrage que c'est une erreur grave dans les pièces majeures que le même homme soit à la fois menteur et véridique le même homme soit à la fois menteur et véridique. C'est clair. Alors, lorsque quelqu'un parle, lorsqu'il tient un discours, soit il dit la vérité, soit il dit la fausseté. Donc, le discours ne peut pas traduire en même temps la vérité et la fausseté. On ne peut pas dire en même temps le vrai et le faux. Sinon, il y aura quoi Il y aura la contradiction. Rappelez-vous, chers apprenants, vous avez l'habitude de dire, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ici C'est que les principes de la logique formelle excluent toute contradiction dans la quête de la vérité. Toute contradiction suppose la fausseté. Donc, le discours est vrai lorsqu'il est identique avec lui-même. Voici ce que vous avez étudié en amont. Mais aujourd'hui nous allons parler de la logique dialectique. Alors cette logique dialectique est née sous les ruines de la logique formelle. C'est pourtant dire que la logique formelle en négligeant le contenu n'arrivait pas à traduire la vérité. Parce que depuis le 16e siècle, la logique formelle d'Aristote a subi un grave discrédit. Donc, dorénavant, Hegel et son disciple Karl Marx vont changer la manière de faire les choses. Ils vont substituer, ils vont remplacer à cette logique formelle aristotélicienne la logique dialectique qui sera fondée sur la contradiction. Alors, qu'est-ce que la logique dialectique? Bien. Chers apprenants, le concept de logique a été déjà défini. Alors, le concept qui pose problème ici, c'est la dialectique. Qu'est-ce que la dialectique Donc, avant de définir ce concept, avant de définir la logique dialectique, nous allons d'abord définir ce que c'est que la dialectique et faire un bref aperçu de son histoire. Alors, dialectique vient du mot grec, dialectique. Dialectique. voyez, du grec. Dialectique et dialectique lui-même est une juxtaposition de deux mots. Nous avons dia et lectique ». Or oh, lectique » vient du verbe grec legen. Les veut dire quoi? Parler. Parler. Alors, Dia nous renvoie au chiffre 2. L'un à l'autre. L'un à l'autre. Donc, le plus simplement possible, la dialectique devient quoi? Parler. L'un à l'autre. Il y a un échange entre des individus, mais chacun développe ou chacun défend une thèse. Une thèse. La première défend une thèse, la seconde défend également une, une thèse, mais qui s'oppose à la première thèse, ce que nous appelons par l'antithèse. Anti, Bien. Alors, deux personnes développe deux thèses contraires, mais faudrait il faudrait qu'il y ait une troisième personne pour faire la part des choses. Déjà quand deux personnes développent deux thèses qui s'opposent, on parle de la discussion du débat. Et on parle du débat, on parle de la discussion. Alors, du coup, dans son sens originel, la dialectique devient quoi La technique de la discussion. La technique de la discussion. La technique de la discussion. Alors, en dehors. De ce sens originel, étymologique, il y a eu quelques philosophes dans l'Antiquité grecque qui ont essayé d'expliquer la dialectique. Et Aristote attribue la dialectique à Zénodélé, le disciple de Parménide. à ne pas confondre avec Zeno de Sitium. Alors, qu'est-ce que Zeno dit ou comment Zeno conçoit-il la dialectique Alors, Aux yeux de Zeno, la dialectique est la méthode de l'argumentation et de la réfutation, ce qui serait d'ailleurs, chez les Socratiques, la méthode de l'argumentation et de la réfutation au moyen des questions et réponses. voyez Question et réponse. C'est pour autant dire qu'il y a deux individus. Et deux individus. Cet échange donne la dialectique. Voyez, quand il y a le change d'idée, on constate quoi On constate le mouvement. On constate le, le changement. C'est pour autant dire que nous pouvons même remonter chez qui Chez Héraclite. chez Héraclite. Parce que dans sa conception de l'être, Héraclite connaît déjà le changement et le mouvement. Tout se coule, rien ne demeure. Donc, au lieu d'attribuer à Zénon le statut de père de la dialectique, on peut même dire que la dialectique a commencé bien avant lui avec Héraclite d'Éphèse. Quand bien même que les deux n'ont pas euh, la même conception du concept. Bien, toujours dans l'Antiquité grecque, nous avons aussi Platon. ne peut pas parler de la dialectique sans, sans Platon. Et Platon. Alors, c'est quoi la dialectique chez Platon Chers apprenants, vous le savez. La philosophie platonicienne se résume sur la division ou l'existence de deux mondes, le monde intelligible et le monde sensible. Bien. Alors. Et la dialectique devient le mouvement ascendant de l'âme. Le mouvement ascendant de l'âme qui quitte les apparences sensibles au concept rationnel en passant par les idées jusqu'à atteindre l'absolu le bien qui est dans le monde intelligible Vous voyez l'ascendant le mouvement de l'âme en quittant le monde sensible monde de la fausseté pour le monde intelligible donc cette montée voilà cette montée de l'âme du sensible vers l'intelligible c'est ce que Platon appelle par la dialectique. Alors finalement, qu'est-ce que la logique dialectique Bien. Alors, chers apprenants, nous gardons le même schéma. Définition, principe. Alors, contrairement à la logique formelle, qui se définit comme la science de l'accord de la pensée avec elle-même, l'accord de l'esprit avec ses propres convictions, la logique dialectique devient la science de l'accord de la pensée, non seulement avec elle-même, mais aussi avec l'objet. science de l'accord de la pensée avec elle-même et avec l'objet. Yeah. Ce qui intéresse le logicien ici, ce n'est pas seulement la forme du discours, mais aussi son contenu. Autrement dit, il doit avoir une correspondance nécessaire entre ce que l'on dit et la chose dont on parle. Pour qu'il y ait quoi Pour qu'il y ait la vérité. Donc la vérité dépend de l'accord de mon esprit avec l'objet. Sans cet accord, sans cette conformité ou cette adéquation, il n'y a pas de vérité. Alors voici comment on peut schématiser. Voilà. La pensée s'accorde avec l'objet. Et il y a quoi Il y a la vérité. Alors, sans cet accord, on ne parlera pas de la vérité. On parlera soit de l'erreur, soit de la fausseté. Bien. Quand j'ai dit que le tableau est noir, alors, on doit confronter quoi ce que je dis avec la couleur du tableau. Alors, s'il n'y a pas d'harmonie entre les deux, cela signifie que mon discours ne traduit pas là la, la vérité. Très bien. Chers apprenants. Mais l'objet n'est pas fixe. L'objet bouge. L'objet change. C'est pour autant dire que le discours doit également épouser quoi? Des contradictions, des changements et des mouvements. Donc, il n'y a plus de stabilité ici. Sinon, il y a l'immobilité. Pour autant dire que la logique dialectique se caractérise par quoi Ou quels sont les principes de la logique dialectique Nous avons le mouvement. Le mouvement. Le changement. le mouvement, le changement, l'évolution. Et enfin, tous ces éléments nous ramènent vers quoi la contradiction Bien. Si vous comparez ces principes avec ceux de la logique formelle, vous constaterez avec nous qu'il y a une grande différence. La logique formelle qui rejette quoi? La contradiction. Mais ici, la contradiction, l'opposition devient en quelque sorte le socle de la pensée. C'est parce que nos pensées épousent des contradictions qu'elles peuvent traduire des vérités. Bien. Chers apprenants, Nous venons là de parler de la définition de la logique dialectique. Cette logique qui se définit comme la science de l'accord de la pensée avec elle-même et avec l'objet. Et elle a pour principe le mouvement, le changement, l'évolution et enfin la contradiction. Bien. S'il faut établir une différence avec la logique formelle, nous pouvons dire que les principes d'abord, la définition de la logique dialectique est tout à fait différente et l'exact opposé de la définition de la logique formelle. Pourquoi Au niveau de la logique formelle, il y a quelque chose qui manquait. C'est l'objet. Et la logique dialectique a ajouté l'objet. Ensuite, lorsqu'on essaie de regarder les principes des deux logiques, chers apprenants, vous constaterez que les principes de la logique dialectique sont l'exact opposé des principes de la logique formelle. C'est pourtant dire que ce qui a manqué à Aristote, c'était la notion de la contradiction. Lui, il disqualifie la contradiction pendant que la logique dialectique fait de la contradiction le moteur même de la vérité. Bien. Voici quelques questions. Quelle différence faites-vous entre la logique formelle et la logique dialectique Je réponds. Quelle différence faites-vous entre la logique formelle et la logique dialectique C'est la première question. La deuxième question. Si on se fie des principes de la logique dialectique telle que numérée, quelle critique peut-on faire à la logique formelle? Chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de la première séquence de la séance de ce jour. Alors, nous allons passer à la deuxième séquence, celle qui concerne la dialectique de la pensée chez Hegel. Petit b, dialectique de la pensée. Et l'auteur, c'est Hegel. J'espère que vous avez déjà noté et nous allons libérer le tableau pour parler de la dialectique de la pensée chez Hegel. Hegel. Nous ne saurons parler de la dialectique de la pensée chez Hegel, sans pourtant dire quelque chose à propos de sa biographie. George Wilhelm Friedrich Hegel est un philosophe allemand du 19e siècle un philosophe idéaliste allemand du 19e siècle. Il a placé la dialectique au cœur de sa philosophie. Et il place la dialectique au cœur de sa philosophie. Finalement, qu'est-ce que la dialectique chez Hegel Hegel Hegel. Hegel. Il conçoit la dialectique comme la marche. On soit la dialectique comme la marche de la pensée procédant par un rythme ternaire. Un rythme ternaire La dialectique comme la marche de la pensée possédant par un rythme ternaire. Par un rythme ternaire. Voilà, chers apprenants. Il faut toujours avoir une intuition fertile. Quand vous écrivez, à la fin, il faut toujours euh, lire. Voilà. Procès, temps. Voilà par un rythme ternaire. Alors, quand nous parlons du rythme ternaire, ici, nous voyons trois moments, à savoir thèse ou affirmation. Thèse ou affirmation. Le deuxième moment, antithèse ou négation. Et le troisième moment, la négation de la négation, autrement dit la scène. La synthèse. Négation. Négation de la négation. Ah bien. Alors, quand je sais un peu de regarder l'expression négation de la négation, semblant poser quelques problèmes. La double négation. Et c'est facile. Au départ, nous avons la thèse. Et après la thèse, nous avons l'antithèse. Donc, l'antithèse, c'est la négation de quoi De la thèse. Donc, la première négation. Après l'antithèse, nous avons la synthèse. Or, la synthèse, c'est la négation de quoi? De l'antithèse. Donc, la synthèse devient la négation de la négation. Alors, s'il faut faire un mouvement retour vers la logique formelle, la synthèse ici devient le tiers exclu. Le tiers exclut la troisième possibilité qu'Aristote a écartée. Hegel dit non, il ne faut pas écarter cette troisième possibilité. On peut affirmer et nier au même moment. Cela dépend de quoi? Dépend de celui qui conçoit le discours et de la chose qui évolue, l'évolution de la chose. Alors, la dialectique ici, regardez bien chez les apprenants. Nous avons dit la marche de la pensée. Donc la pensée ne va plus de l'identique à l'identique. Elle pousse désormais des contradictions. Pour autant dire, elle va d'étape à étape. Cela peut correspondre à quoi À l'évolution de l'être humain. L'homme naît, c'est la première étape, il grandit la deuxième étape, et la dernière étape, il meurt. La naissance, l'évolution. Et la mort, c'est pourtant dit que l'homme n'est pas stable. Il évolue dans le temps et dans l'espace. Et le discours doit refléter l'évolution, cette évolution des choses. Et Hegel nous dit, il y a trois phases. Trois phases. Bien. Alors, le mouvement, le mouvement de la pensée ici, et la marche de la pensée, c'est son mouvement. Alors, ce mouvement de la pensée coïncide en même temps. Avec l'évolution de la réalité, l évolution de la pensée, coïncide avec l'évolution de la réalité. Donc du réel avec l'évolution du du réel et quand nous parlons du réel et si nous voyons le monde donc le monde bouge le monde change voilà que le discours doit en même temps bouger et changer pour refléter la réalité chers apprenants n'oubliez pas que nous avons défini la logique formelle dans la logique dialectique comme la science de l'accord de la pensée, aussi bien avec elle-même qu'avec l'objet. Donc si l'objet bouge, l'objet change, l'objet est mouvant, le discours doit aussi être mouvant pour rimer avec l'évolution du monde, l'évolution de l'objet. Et c'est en ce moment-là qu'on peut dire la vérité. Bien. L'évolution de la pensée égale ou coïncide avec l'évolution du réel. Pourquoi la réponse est claire. Parce que chez Hegel, tout ce qui est rationnel est réel. Tout ce qui est rationnel est réel. Et tout ce qui est réel est rationnel. Voilà. Tout ce qui est rationnel est réel et tout ce qui est réel est rationnel. Alors ceux d'autres aussi ont dit que le rationnel ici nous renvoie au divin, à Dieu, et le réel c'est le monde, le monde sensible, et notre monde. C'est pourtant dit que dans sa philosophie, Hegel a coïncidé Dieu avec le monde, surtout que c'est un penseur qui soutient le panthéisme. Voilà, le panthéisme. le panthéisme donc la doctrine selon laquelle dieu est partout dieu c'est le tout dieu est figé dieu est immanent au monde il est collé au monde voyez il est collé au monde et c'est dieu qui met le monde en mouvement c'est pour autant dire que la pensée met le réel en mouvement voilà ce n'est qu'une parenthèse chers apprenants revenons sur la dialectique de la pensée la dialectique de la pensée. Et en définissant la dialectique, vous avez compris avec nous qu'il y a le changement, qu'il y a le mouvement qui s'opère. Mais le mouvement ici s'opère au niveau de quoi De la pensée qui doit suivre trois étapes. La première étape, la thèse. La deuxième étape, l'antithèse. La troisième étape, la synthèse. Mais cette synthèse est aussi une thèse qui finira par avoir quoi son antithèse et une autre synthèse, ainsi de suite. C'est pour dire que la vérité n'est qu'un processus. La vérité est un processus. Et pour arriver à cette vérité, il faut traverser un certain nombre d'étapes. Donc, d'étape à étape, d'évolution à évolution. Alors, pour montrer comment la pensée évolue, pour aller vers la vérité, Hegel lui-même. Va se servir de l'exemple du bouton le bouton au départ nous avons le bouton la graine alors quand le bouton s'éclate il disparaît pour céder la place à quoi À la fleur, la floraison. La floraison, la fleur. Et la fleur, à son tour, disparaît. La fleur ne reste pas fleur. Elle va disparaître. Et sa disparition va donner naissance à quoi Au fruit. Voilà. Les trois moments sont là, chers apprenants. Au départ, nous avons la graine, le bouton, et le bouton disparaît pour céder la place à la fleur. La fleur qui disparaît son tour pour céder la place à quoi? Au fruit. C'est pour dire que le mouvement de la pensée entraîne quoi? Entraîne la disparition de l'ancien au profit du nouveau. On doit changer. On doit changer. Il faut éviter la stabilité. La stabilité fait de quoi La vérité. La vérité. Puisqu'elle est un processus. Mais il faut changer. Voilà. Ce que vous êtes aujourd'hui en classe de terminale, ce n'est pas ce que vous étiez avant-hier en seconde ou encore hier en classe de première. Alors vous constaterez avec moi que même le niveau, le niveau change. Votre manière de raisonner en classe de seconde, n'est pas la même qu'en première. Et en terminale, vous avez aussi une autre manière de, de, de raisonner, de réfléchir. Vous n'êtes vous pas vous-même. Il y a un changement qui se perd dans votre esprit, un changement qui se perd dans votre pensée. Et voilà la dialectique chez Hegel. La pensée, le mouvement de la pensée. Bien, on peut regarder cette définition de la dialectique au tableau. Est-ce que les trois moments sont là Eh bien, oui mais le premier moment, le bouton nous renvoie à quoi Le bouton nous renvoie à la thèse. Vous voyez La thèse. Dans la première étape de la pensée. Bien. La floraison, c'est l'antithèse. Le fruit. Donc dans le fruit, nous avons quoi Nous avons un bouton. Et la fleur. Donc, la synthèse. Cela signifie quoi Les deux premiers moments sont opposés, oui. Mais ces deux moments opposés-là vont se retrouver, vont se rencontrer dans un troisième moment qui n'est autre que la synthèse. Donc, dans le fouet, il y a la fleur et le bouton. Dans la synthèse, il y a quoi La thèse. Et l'antithèse. Voilà pourquoi la synthèse s'appelle la négation de la négation. Les deux moments sont conciliés. Alors, s'il faut parler de la notion de l'être ou ce que se passe dans la vie courante, la thèse, c'est l'être. Ce que vous avez étudié en classe de seconde. La thèse, c'est l'être. Bien. La négation de l'être donne quoi? Le non-être. Le non-être. Mais la négation du non-être donne quoi Le devenir. Le devenir. Mais c'est quoi le devenir Le devenir, c'est l'être de ce qui est et de ce qui n'est pas. l'être de ce qui est et de ce qui n'est pas. Autrement dit, l'être et le non-être sont ensemble, font bon ménage. Les deux se rencontrent. Donc, il y a la troisième possibilité. Vous affirmez, vous niez, mais il se peut arriver que quelque part, voyez, l'affirmation et la négation se retrouvent ensemble. Donc, le tiers ici n'est pas exclu, mais le tiers est clou, chers apprenants, déjà lorsque vous traitez vos sujets de dissertation, le plan dialectique. Voilà le plan dialectique qui s'oppose au plan binaire. Mais le, le premier moment, c'est quoi C'est la thèse. Lorsque vous niez la thèse, vous avez quoi L'antithèse. Mais lorsque vous niez l'antithèse, qu'est-ce que vous avez, chers apprenants La synthèse. Et au niveau de la synthèse, vous dites à la fois. À la fois. L'homme est-il essentiellement conscient à la thèse? Vous dites oui, l'homme est conscient à l'antithèse. Non, il n'est pas conscient. Il a aussi un corps et un inconscient. Mais vous n'allez pas vous arrêter là pour dire finalement l'homme est complexe en lui il y a la conscience, le corps et l'inconscient et les trois. C'est-à-dire les trois éléments, autrement dit les deux moments, se rencontrent dans ce troisième moment. Bien. Chers apprenants, qu'est-ce qu'il faut retenir de la dialectique de la pensée chez Hegel Alors, ce que vous pouvez retenir, c'est que la dialectique devient chez Hegel... Le mouvement de la pensée qui suit trois étapes essentielles. La première étape, c'est la thèse, ce que l'on appelle par thèse. La deuxième étape, l'antithèse. Et enfin, la troisième étape, qui n'est autre que la synthèse. Et la synthèse devient quoi la contradiction, la synthèse devient quoi? Le changement, le mouvement. Bien. Finalement, que représente la contradiction? Hegel dit, la contradiction est le principe et le moteur de tout mouvement, de toute manifestation vitale. Voyez? C'est parce que les choses se contredisent, c'est parce que le discours se contredit qu'il peut nous conduire à la vérité. Contrairement à ce que dit Aristote, quand il nie la contradiction dans la quête de la vérité, Hegel dit non, la contradiction est le moteur. La contradiction est ce qui stimule, s'il faut dire, nos recherches. La contradiction est le principe même de toute pensée. Donc, toute pensée qui aimerait atteindre la vérité doit nécessairement accepter la contradiction. Penser le contraire, c'est tourner le dos à la réalité. Alors, chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de notre voyage de ce jour. Je suis très heureux de savoir que vous étiez là nombreux et vous serez toujours nombreux à nous suivre. Mais prochainement, nous parlerons de la dialectique de la réalité. Mais bien avant, nous allons critiquer les principes de la logique formelle. Donc, le petit C. Le petit C, chers apprenants, critique des principes, de la logique informelle. Bien, chers apprenants, euh, comme je l'ai dit, nous sommes arrivés au terme de notre voyage de ce jour. Et d'ici peu, nous allons encore nous retrouver pour critiquer les principes de la logique formelle ensemble. Au revoir et à très bientôt.